Le marché du Royaume-Uni, c'est la moitié des exportations de soja Sun Tribala, avec des desserts végétaux bio, d'autres en marque distributeur et des fromages de l'enseigne bretonne. À la veille du Brexit, la tâche est incertaine. Il faut anticiper les contrôles douaniers, administratifs et les taxes. Si le no deal est vraiment instauré, nos produits que l'on a pu voir sur les chaînes de production aux végétaux, au soja, seront taxés à 8%. Et sur nos gammes fromages, on peut monter jusqu'à 40% de taxes. Une augmentation avec des répercussions sur les prix qui pourraient freiner le consommateur. Autre inquiétude, la logistique, avec des contrôles d'identité pour chaque chauffeur qui vont embouteiller les arrivées sur le sol britannique. Le gouvernement britannique est en train de construire des parkings d'attente au niveau des ports. La question est de savoir s'ils auront suffisamment de personnel pour effectuer les contrôles en temps assez suffisant pour mettre un flux rapide. Spécialisée dans les prothèses et les instruments chirurgicaux, la société Ascorn assure elle 20% de son chiffre d'affaires export via des commandes d'hôpitaux britanniques. Pour garder ses parts de marché, son patron a tout fait pour alléger les démarches et les contraintes en cas de no deal grâce à une nouvelle entité. Aujourd'hui, c'est une structure qu'on a créée pour faciliter la vie de nos clients. C'est-à-dire quoi faciliter la vie de nos clients? C'est qu'ils puissent passer des commandes à une société anglaise, qu'ils puissent régler leurs commandes en livres sterling à une société anglaise, avec une banque anglaise. Donc on a créé une succursale, si on veut. Pour assurer la logistique de nos produits, on a réfléchi à différents scénarios. On est arrivé à la conclusion qu'il valait mieux que l'on crée une base logistique en Angleterre, qui nous permet aujourd'hui d'expédier nos produits de France en Angleterre sur cette base logistique 4-5 fois par an. Moins de coûts de livraison, possibilité de stockage outre-Manche. On attend enfin les normes UKCA qui remplaceront celles de la communauté européenne après un délai de 3 à 5 ans.